Bonjour à tous, chers auditeurs de micro-ondes. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mémo et on accueille J'ai mon débat. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Salut, moi c'est Baptiste, donc je suis responsable des conférences. Salut, moi c'est Agathe et je suis la vice-présidente. Et moi c'est Maxime, je suis le président de J'ai mon débat. Donc on va commencer par un petit sommaire. Alors dans un premier temps, on va revenir sur ce que fait J'ai mon débat, quels sont les différents événements qu'ils organisent. Ensuite, on parlera un petit peu de l'impact du Covid sur leurs événements et la façon de les organiser. Et enfin, on aura la chance, en avant-première, de connaître les deux premiers invités de Géant Débat. Alors, petite question simple pour nos auditeurs, qu'est-ce que fait Géant Débat? J'aime en débat, c'est donc la tribune étudiante de l'école. Donc notre but chaque année, c'est de promouvoir le débat justement, mais surtout voilà l'échange d'idées, aider à vulgariser le savoir et surtout aider à la prise d'opinion de nos spectateurs et de notre public. Et donc voilà, donc pour cela, on a plein d'événements différents. Donc logiquement les conférences, on fait aussi des cafés débats, des ciné débats. On organise aussi un concours d'éloquence parce que voilà, on essaie de promouvoir un peu ça, la prise de parole et avec des arguments justes. Et aussi, on organise un événement TEDx, voilà, un peu pour tous les événements. Et voilà, aussi on participe au festival de géopolitique de l'école puisqu'on voilà, on modère certaines, la plupart des conférences, voilà. Non, et si je peux ajouter, on a aussi un journal satirique qui sort tous les 15 du mois. Effectivement, je l'avais oublié. En plus, le rédacteur est juste à côté et il me regarde avec un regard assez S'il va te perçant. Voilà. défoncer juste après. Très bien. Et en fait, vous faites à peu près combien de conférences par an? Donc, voilà, par an, on doit être autour d'une quinzaine de conférences, voilà, avec des invités assez variés. Ça pouvait être l'année dernière, ça pouvait être des grosses conférences en audito ou bien encore, voilà. Dans des salles plus petites, voilà. Ça dépend vraiment de l'invité et du nombre de personnes qui pourraient potentiellement venir le voir. D'accord. Les assos de débat, c'est un peu une constante en école de commerce. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des partenariats avec d'autres associations, Mardi de l'ESSEC ou... Oui, en soi, c'est toujours possible. On a un pôle, donc R2E, c'est Relations et Événements Extérieurs, qui s'occupe un peu de ça, de gérer aussi notre réseau avec potentiellement d'autres tribunes étudiantes d'écoles de commerce. Ça nous est déjà arrivé pour des contacts, par exemple, d'invités, de un peu se les échanger, mais il n'y a pas de partenariat bien défini, en fait. Voilà. D'accord. Et vous arrivez parfois à avoir des personnalités assez connues. Comment vous arrivez à les approcher et quel est l'intérêt pour eux de vous avoir et de venir présenter quelque chose, une conférence? Pour le démarchage, ce qui se passe, c'est soit on a un contact qui nous no donne le contact de l'invité ou de son entourage, donc l'attaché de presse ou quelqu'un qui est assez proche de lui. Et donc comme ça nous permet de lui envoyer un mail et c'est peut-être un processus un petit peu plus long. Sinon, la plupart du temps, ça passe par des adresses mail qu'on trouve sur Internet. Pour les politiques, c'est assez facile parce qu'ils ont des boîtes mail officielles. Pour des artistes ou des gens qui ont écrit des livres, on peut passer par leur maison d'édition et ça leur... On retombe toujours sur leur équipe de communication. Et après, souvent, c'est du démarchage sur LinkedIn, sur Twitter moins, mais sur LinkedIn, ça marche pas mal. D'accord. Chers auditeurs, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons été touchés par une crise sanitaire sans précédent qui a un petit peu bouleversé les plans de l'école de commerce et, a fortiori, les plans de J'ai mon débat. Comment vous avez vécu le coronavirus? J'imagine qu'il y a des conférences qui ont été annulées, vous avez été assez pénalisés. Comment vous l'avez vécu et comment vous êtes adapté à la situation? Alors au niveau des conférences, oui effectivement l'année dernière on en avait deux trois de prévues de plus en mars, fin mars et début avril, donc on a dû forcément les annuler. Après bien sûr on a prévu de nouvelles formules là pour au moins le début d'année, que donc des conférences en visio, peut-être Agathe elle peut en parler un peu plus. Non, mais oui, du coup, je pense qu'on a été impacté comme toutes les assos. Donc, on essaye de transformer ce qu'on faisait avant en version virtuelle et Covid-friendly. C'est vrai qu'on a parlé des confs, mais en fait, tous nos événements ont été impactés, hein. Les cafés débats, ciné débats, notre TEDx a été annulé. Donc c'est juste essayer de reprogrammer de la meilleure des façons. Là, pour le moment, bah, nous, on a. Je dirais qu'on, je trouve qu'on est quand même assez chanceux par rapport à d'autres assos parce que. C'est plus simple quand même de passer par exemple une conférence en virtuel que de passer un GAC ou une semaine de ski en virtuel, c'est un peu plus compliqué. Désolé, AG. Et du coup, non, du coup, voilà, on essaye de s'adapter. On voit aussi avec l'administration, bah, on en parlera
peut-être un petit peu plus tard de comment du coup concrètement on a fait, mais on essaye de rebondir. Et puis je trouve que là-dessus, on a une équipe assez motivée de 2A qui se démène pour continuer de faire des trucs réguliers et faire vivre l'assaut. D'accord. Et du coup, les prochaines conférences, concrètement, ça va se passer comment ? À l'image de ce qu'on a pu voir avec le Festival de Géopolitique qui a été en visioconférence, là, ça va être la même chose pour ce début d'année, parce que les mesures sanitaires en vigueur à Gemme et même en France nous obligent à ne pas pouvoir utiliser l'amphithéâtre, enfin, ou même l'audito de Gemme. Donc, ça sera des conférences sur Teams Event. Donc c'est un logiciel qui est déjà utilisé par le bureau des élèves ou par l'administration de GEM pour faire des réunions avec tous les étudiants. Et donc ça a une capacité de 4000 étudiants, de 4000 personnes qui peuvent regarder, donc forcément bien plus grande que l'audito, donc on espère pas de problème technique. Mais maintenant ça va être des visioconférences, au moins pour le début de l'année, on verra comment va évoluer la situation du Covid et du coup la situation de nos conférences. Donc ça impacte forcément nos démarchages. On est obligé d'en parler avec les invités, de leur dire que ça sera forcément en visio. Parfois c'est un avantage, parce qu'on peut démarcher des personnes qui sont plus éloignées ou plus occupées, plus inaccessibles. Et ça les oblige pas à venir se déplacer à Grenoble. Mais pour certains, je pense que ça peut être un inconvénient de ne pas rencontrer les étudiants, de ne pas être face à eux et d'avoir vraiment ce contact direct avec les étudiants, parce qu'ils viennent pour ça, ils viennent pour délivrer un discours à des jeunes, même s'il y a le public grenoblois qui vient, mais le public cible, c'est les jeunes étudiants de GEM. D'accord. Et avant de parler plus précisément des invités que vous allez recevoir bientôt, quels seraient les meilleurs cas de figure pour le reste de l'année? Parce que tous les assos sont encore un peu dans le flou et on essaye un peu de s'adapter et on vit un peu au jour le jour sur ce genre de situation. Mais j'imagine que vous avez quand même un plan A, un plan B. Qu'est-ce qu'on peut attendre de GEM en débat cette année, notamment en 2021-2022? À partir de 2021? Ouais, plutôt. Janvier 2021. On parlera de CESU, on ne sait jamais. Nous, le meilleur cas, ça serait qu'on puisse refaire des conférences en présentiel, même s'il y a des mesures sanitaires, je sais pas, port du masque, un siège sur deux occupé. Comme dans les théâtres, par exemple, ça pourrait être un très bon cas de figure. Et puis, on continuerait à rediffuser la conférence en direct. Ça pourrait être le meilleur cas de figure. Le deuxième plan B, on va dire, ça serait de continuer les visioconférences. Après, on sera rodé là-dessus et on pourra peut-être tenter d'inviter des gens qu'on n'aurait jamais pu inviter en présentiel. Ouais. Tu m'avais parlé lors d'un micro-trottoir de Barack Obama. Est-ce que ça tient toujours ou pas? Effectivement, j'ai le souvenir d'une telle interview un peu improvisée. Non, mais voilà, non, Obama, c'était bien sûr un humour, même si, bien sûr, s'il est intéressé qu'il écoute micro-ondes, il peut tout à fait nous contacter. On verra ce qu'on peut faire. Non, voilà, comme dit Baptiste, on va se continuer à s'adapter à la situation. C'est sûr, comme disait aussi Agathe, c'est sûr que la visioconf, c'est plus complexe, mais en même temps, c'est aussi un avantage de pouvoir quand même continuer à promouvoir ce que l'on cherche à promouvoir chaque année à travers des événements, même à distance. Et comme ça a été dit, on sera rodé. Et si à partir de 2021, on arrive à rétablir des conférences en physique, on espère garder le public qu'on sera arrivé à constituer, qu'on avait à distance avec les visioconf, et à continuer à le garder et à diffuser par le même biais nos conférences, même si du coup l'invité, le public, un certain public et les modérateurs seront sur place. D'accord. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, en exclusivité sur micro-ondes, le nom des deux premiers invités de cette année des conférences de GEM en débat. Donc le lundi 5 octobre, on recevra en visioconférence Monsieur Raphaël Glucksmann, donc eurodéputé, essayiste, philosophe, journaliste, qu'on aura le plaisir de recevoir pour parler des Ouïghours, plus particulièrement. Et ensuite, la semaine d'après, le mardi 13 octobre, on aura le plaisir de recevoir un Américain en visioconférence. C'est un professeur et chercheur de sciences politiques, Monsieur David Bettman, pour faire une rétrospective des élections américaines, notamment dans le contexte du Covid. Et ces deux conférences seront à 18h30. D'accord. Et du coup, Raphaël Glucksmann, contact de contact ou mail Mail, démarchage direct,
Donc après, j'ai pu passer par son attaché de presse, parce que c'est pas lui qui gère directement sa boîte mail, mais comme je disais tout à l'heure, comme c'est des politiques, ils ont une adresse mail directe du Parlement européen, donc c'est plus facile. Très très fort, j'ai mon débat. On essaie, ouais, on essaie. Faites de votre mieux. D'accord. Alors maintenant, on va passer à un petit jeu. Non, je plaisante. Je vais faire une petite chronique sur les Ouïghours et leur situation et essayer d'un petit peu d'introduire l'invité Raphaël Glucksmann pour la conférence du 5 octobre. Alors, je vais commencer par un petit rappel pour nos auditeurs de qui sont les Ouïghours. Les Ouïghours font partie de l'une des 56 ethnies que compose la République populaire de Chine. Turcophones et de religion musulmane, ils sont installés en Asie centrale depuis le 8e siècle. D'abord nomades, ils se sont peu à peu sédentarisés dans l'espace qui constitue l'axe Xinjiang et sont aujourd'hui environ 11 millions vivant dans cette région autonome sous souveraineté de Pékin. Depuis 2 ans, la communauté internationale et l'opinion publique se mobilisent autour du sort des Ouïghours. Alors, vous en avez sûrement entendu parler par votre pote Bobo qui mange des graines matin, midi et soir et qui a fait de l'indignation un combat de tous les jours. Je force un peu le trait, mais je dois avouer que de voir tous ces super-héros en cape blanche condescendants défendre la veuve et l'orphelin comme des automates commence sérieusement à me déprimer. Pour citer Aurel San dans Suicide Social, c'est celui à qui qu'on râle le plus fort. Mais le principal problème, et certains ont quand même tendance à l'oublier, ce n'est pas que certaines causes sont mal défendues ou pour les mauvaises raisons qu'elles méritent de ne pas l'être. Ce qui se passe actuellement mérite plus que notre simple indignation et l'histoire jugera peut-être l'inaction des différents acteurs internationaux. Un triste personnage de l'histoire a dit: qui se souvient de l'extermination des Arméniens? Doit-on vraiment en arriver là et attendre la construction de bâtiments dédiés à leur mémoire? Mais concrètement, que se passe-t-il? Détention arbitraire dans les centres de rééducation politique, campagne de stérilisation, interdiction d'exercer leur religion, colonisation. Mais alors, pourquoi personne ne fait rien? C'est le sujet dont tout le monde parle, tout le monde pousse des grands cris, mais personne n'agit. Pourquoi? Il faut croire que le courage des États, notamment, est inversement proportionnel au PIB des pays qui la mériteraient. Bizarrement. Fort avec les faibles, faible avec les forts, une constante de la géopolitique à travers les âges. Je ne me suis volontairement pas étalé sur le sort des Ouïghours et les différentes persécutions qu'ils subissent. Je n'ai pas la prétention d'être un expert sur le sujet. Charge à Raphaël Glucksmann de venir nous éclairer et d'apporter de la nuance et du fond à un sujet qui en mérite tant. Bravo, très bien dit. Belle plume. Est-ce que vous avez un petit mot pour terminer, notamment sur le recrutement des 1A et celui des AP2A, si jamais vous en avez recruté? Venez chez nous. Voilà, c'est un bon petit mot, ça. Ouais, non, venez chez nous. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment des événements qui là démarrent, qui vont être très intéressants, et pas qu'en conférence, mais partout. Là, on s'adapte bien sûr à la crise actuelle, mais voilà, n'hésitez pas à venir pour vivre des grands moments, parce que là, je pense que la première conférence, ça va être un bon moment de l'année, et on a vraiment envie d'en faire plusieurs cette année. Donc, venez chez nous, comme dit Agathe, pour pouvoir réaliser ça tous ensemble. Mathis, un petit mot? Venez, les événements sont riches d'expériences. Et si vous êtes curieux, si vous avez de l'ouverture d'esprit, si vous avez envie de débattre ou parler de sujets d'actualité, c'est l'association qu'il vous faut. En effet, si jamais vous avez envie de développer un peu l'esprit critique, je pense que J'aime en débat, avec d'autres associations de J'aime, permet en tout cas de vous épanouir. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Une autre bonne nouvelle, outre la venue de nos invités, c'est un partenariat qui aura lieu cette année avec J'aime en débat et qui permettra à Micron de faire les petits teasings de différents invités qui vont venir et éventuellement permettre à Micron de faire les petites interviews. Donc on est très content de ce partenariat et on espère vous proposer un contenu un petit peu plus diversifié et de qualité. Merci à tous de votre écoute et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission, un nouveau mémo. Au revoir. Au Merci. revoir.